tous chers amis, petite vidéo en étant privé. Aujourd'hui 4 pêcheurs, Alban, Hugo, Antoine et moi-même. Je vais partir pour ma part sur une stratégie mouche. Antoine, Holler avec une petite imitation de grenouille. Holler. Hugo testera sa petite casting, la Savage. Et Alban essaiera de valider un poisson. Pour une fois ce serait cool. Ciao les amis, bonne vidéo. Oh les gars, comment ça la mouche? Une mouche fer Tiger, on est sur un temps assez sombre. Avec une eau par contre assez claire, j'ai fait le choix de tout de même prendre une petite mouche Fire Tiger qui sera vraiment très visible par les brochets et par tout type de poisson, mais principalement le brochet. Là, je fais des tirs en bordure avec des poses, une petite traînée, une ramenée. Une nouvelle pause, une ramenée assez sèche. Et là, j'attends patiemment que le brochet vienne englober ma mouche pour pouvoir lancer un gros ferrage. Les gars, raté. Ouais. Je l'ai vu. Il est derrière. Oh les gars, raté. Dommage. Les gars, j'étais en train de pêcher avec le petit Lex Freddy, tout neuf. Il vient de prendre des traces de crocs sur la queue. Ah, la pluie qui ne cesse de tomber. J'ai un petit blouson en plus là, un tout petit blouson, regardez-moi ça. Truc de zinzin. Je vais attaquer en même temps. Oh la dingue. C'est quoi cette dinguerie? Il venait de nous dire, erreur carte SD, il s'est fait attaquer, et là le brochet, qui était encore en dessous de lui, un truc de zinzin. Ah bien, c'était tellement beau à voir les gars. Oh les gars, je viens de me faire attaquer, j'avais erreur carte SD, je regarde mon truc, du coup je me fais attaquer par le brochet, j'ai le temps de remettre ma GoPro, et de remettre la carte SD, et là, au moment où je rallume la GoPro, brochet qui saute sur le leurre, vraiment je n'utilisais plus la canne, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment une... Wow. Les sensations de zinzin. Oh, le truc de fou. Un truc de fou, j'ai... Wow. J'en tremble. C'est hardcore. Dinguerie, les gars. Il l'a tellement bien engamé qu'on peut voir que... La palette ressort carrément de sa branchie. Incroyable. Beau brochet à la première fois, la canne casting, première fois que j'utilise. Action de zinzin. Il doit faire combien? 60. Un petit 60, ouais. Dans les eaux là, ouais. Bon, allez, petite release. Bien vigoureux. C'est reparti. Satisfait, Hugo? C'est parfait. Allez, coucou au drone. Let's go! Des petites tirées assez sèches quand même, tout de même. Une belle pause avec la bannière tendue. J'y ai cru, cher ami, j'y ai cru, je sais pas ce que c'était. Peut-être une touche, qui sait. Parce qu'elle était vraiment en pleine eau, en plein milieu. Only you can.
Oh non, oh non. Touche, les gars, touche, je l'ai vu. Les gars, touche, je l'ai vu. Punaise. Je suis au petit Jerk Mino, je l'ai vu se retourner dans l'eau. Je l'ai vu, j'ai tiré bam là, pile ici. Pile ici, j'ai tapé là. 2-3 animations, petite pause. Oh non. Ah, j'avais pris un coloris assez naturel, il y avait un peu de soleil là. Vu que l'eau est claire. Et puis du coup là, le soleil vient de partir. Et touche direct avec ce coloris naturel. Oh non, non, oh non. Mais non. Mais non. Oh les gars. Le Jerk Mino qui est en train de se... Oh le zinzin. On va relancer. On va relancer. Jerk Mino méga basse là qui est en train de rafale. Après je suis à côté d'un arbre. Mais je pense pas que ce soit un arbre qui est tapé. Il a tapé de côté. C'était une touche chelou. J'ai poisson. Je l'avais dit les gars. Je l'avais dit. Voilà, le vla, il est pas très gros, heureusement je suis sur ma canne 2-10. Jerk Mino, contre j'ai un banc en flou. Faut que je fasse l'attention, la canne qui part à la flotte. Ok, let's. Oh non. Let's go. Ah, punaise. Ah les amis. Je vous ai dit c'était une touche chelou, il l'a pris sur le côté. Et là le voici dans l'épuisette. J'avais eu un problème. Là, les cannes qui étaient derrière, j'avais pris 3 cannes en tout. Avec le support de canne D4. Malheureusement il tient pas assez. J'ai pas assez confiance en ce produit. Du coup je l'ai pas mis. J'ai préféré mettre les cannes derrière. Et là voici ce petit brochet là d'au moins 65. Pris au Jerk Mino. On avait pris déjà une grosse tatane il y a à peine 5 mètres. C'est un leurre que j'apprécie tout particulièrement. Un leurre vraiment magnifique. Alors les gars, pince ratio, je l'ai acheté. Moi j'ai croché beaucoup avec mes mains, mais bon, plein de multiples erreurs, morsures. J'ai acheté cette petite pince, magnifique. Maintenant faut réussir à s'en servir. Tac, hop, ok, un validé, une deuxième. Tac, encore un. Hop, voilà, regardez-moi ça. Jerk Mino, un peu transparent, couleur jaune sur le dessus et un peu marron sur le dessus. Hop, tac. Release. Release les gars. Tac, allez. Il va aller se recoller sur le fond, le zinzin. Go. Mais frérot, tu vite fait. Hey, de 1 quand tu parles, tu bégayes. Let's go. Ah, let's go, je l'ai vu prendre. Tu me l'épuises? Let's go. Il est beau, il est beau. Ouais, il est pas mal. Et j'ai le frein bien serré pourtant. Oh, il est beau. Il a de l'énergie. Il en a retiré un, elle a une pince. Et voilà les gars. Bobrock Prio Freddy 170, coloris naturel. Je vais le release.
C'est parti les gars. Allez viens là mon beau. Merci pour tout. Vous le connaissez tous, le divinator rose, lequel avec je pêche tout le temps. On peut voir qu'il s'est déjà fait bien attaquer, mais bon, c'était pas sur cette session. Il a réussi à me faire avoir un petit poisson, un petit brochet de 65. Il a bien sauté dessus, il l'avait bien engamé. Franchement, c'est parfait. On va essayer de passer sur du leurre un peu plus souple pour qu'il aille en plus en profondeur. On verra. Là, on va partir sur du texan et si ça marchera pas, on va changer. À tout à l'heure. Donc le but c'est de faire de longues pauses pour attendre de toucher le sol, pour remonter juste des petits coups. Comme ça tous les brochets qui sont au fond, qu'il fait encore très froid, on pourra les toucher comme ça. Vu que c'est la première fois que je pêche en casting, c'est un peu compliqué. Je m'en mêle un peu souvent. Mais pour l'instant ça va. Encore ça va, ça aurait pu être pire. Sur Cali là-haut. Hop. Bordure. Oh, t'es chier. Oh oui. Oh non, je l'ai pas eu. Ouais. J'ai la touche de Hugo sur la canne aussi. Ouais, moi aussi, gros. Toi aussi? Ah ouais. Bah, bah oui, on. Oh, poisson. Poisson. Ok. On est en train de perdre la touche de Hugo, chers amis. T'as l'épuisette, t'as le banc, gros. Je suis encore sur la 2-10, toujours. Attention, banc, gros, je suis en 30 centièmes, je crois. Oui, je suis en 30 centièmes, prends-le. Ok, pareil, 2-3 pauses sur le petit jerk minot. Il est aggro, non? Il faut aller un peu plus loin que l'autre, mais. C'est un maîtré. Non, c'est pas un maîtré aussi. Il est beau. Pas qu'il coupe. Oh. Pas qu'il me coupe. Mène-le. Il est sous toi. Oui. Chers amis, jerk minot, encore une fois. Ah, ça fait une heure, maintenant bah 30 minutes que je l'ai mis. Je valide. Encore un beau broche. Ça. Vous savez par contre qu'on a très très froid. Ce n'est pas le meilleur temps pour nous, mais pour pêcher, ça va l'air d'être plutôt sympa. Dans 2 secondes. Chers amis, regardez-moi ça. Je vais le prendre par le bout du bec. Tac. Il est magnifique, un peu coloré, les petites billes intérieures, jerk minot, petite bavette. Et là, regardez-moi ce pépère. Il est vachement beau. Big fish pour le moment. Enfin, pour l'instant, big fish, c'est sûr. Un bon 70, facile. Un bon 70. Là, on avait fait une petite pause pour les pieds. On a vraiment trop froid aux pieds. Et juste avant, il va sauter. Wesh. Et juste avant de faire la petite pause, je ratisse la zone là-haut avec Alban. Et là, je fais un lancer Cali. Comme vous l'avez vu, je fais une petite pause en sortant de l'arbre. J'étais pris dans l'arbre. Et voilà, le beau brochet. Encore, regardez-moi ça, je sais pas si t'arrives à zoomer Alban. Ouais. Encore une belle sangsue qui est collée là juste sur son bec. Je sais pas si on la verra. Vas-y bah, colle. Vas-y. Encore une belle sangsue qui est collée sur son bec. On la voit bien. Ah, est magnifique. On voit que le poisson est vraiment collé au fond. Très beau focus. Je sortais de l'arbre, j'ai fait une longue pause pour le laisser couler. Et justement voilà, magnifique. Très beau brochet. Bon allez, release. On va partir le gaillard. Voilà chers amis, on voit la petite bordure juste derrière, les petits brochets qui sont au fond de l'eau, sous la bordure, ils attendent que mon petit jerk minot passe dessus pour l'attraper, le gober et venir dans mon épuisette comme on a pu le voir, magnifique. Je vais continuer à poncer un peu les bordures en le laissant bien couler, mais on a vu encore que c'était sur une belle pose que le brochet vient saisir le jerk minot. On continue comme ça. Et ça va faire du beau fish là, le beau fish 60 et 65. Et le deuxième, je pense, un bon 70-75, magnifique.
Le prochain, du coup, on est aux alentours de 80 cm, voire 85 cm. Quatrième fiche, le mettrai. C'est parti, à tout de suite, les amis. Ça va taper. Je l'ai vu suivre. Il est derrière. Il a fait demi-tour. Non! Ça sent le brochon à plein nez. Tu le sens pas? T'as pas le flair? Ah, il est là sur ce lancer. Bam! Lancer Cali. On laisse couler. Tac, tac, tac. Bam, bam. Bam, bam. Oh, Alban.